à quel moment, comme tu as accouché d'un petit bâtard, tu es venu t'asseoir maintenant sur la toile pour venir te jouer les pitiés. Je suis plus dans les clashs. Je suis plus dans les clashs. Et derrière, tu vas harceler Emma Loès. Et même la mère de Emma, tu la laisses pas. Même son enfant, tu as dit que Emma avait un enfant en mariage. Même Kobe, tu l'as insulté. Tu as insulté, tout nous a insulté, si que nos enfants étaient bâtards parce que c'était un enfant en mariage. Mais ton bas bien que tu as mis au monde dans la paix, comment? Ce que tu as mis au monde là, où tu habites à Gigolo, et puis le père de ton enfant habite à Vavoua là. Et puis dès que tu accouches, tu balances l'enfant dans le métro, il vient chercher au lit, demain tu vas chercher là. Depuis il est né, quand aujourd'hui il a un an là. Si c'est pas bâtard, on appelle ça comment? Après tu n'es pas marié, tu n'es pas de gars, on n'a pas vu faire d'autres. Donc tu pourras accoucher bâtard aussi. Tu pourrais accoucher bâtard. Tellement tu voulais que ton enfant n'ait qu'à être joli. Parce que tu as tellement insulté l'enfant des gens là. Juste quand tu mets fin de teint, on n'a qu'à venir parler. Tu mets tchat. L'enfant là pleure. Tu ne le regardes même pas. Ton problème seulement, c'est béret. Depuis ton petit est né, au lieu d'occuper de ton bâtard, tu es là, tu ouvres ta grande gueule, ta sale gueule, pour dire non, Emma ramène les potes. Leslie chienne. Oh, moi mon enfant, j'ai vu ta vidéo où tu es en train de dire, toi ton enfant est né en France. Son papa est français, et que bon, moi au village, et que toi, ta fille là, et ton fils là, il va appeler, il va dire à son papa, papa, comment ma fille là, comment je vis avec une femme, ma fille, elle va nous appeler comment? Elle va nous appeler maman. Le jour que ma fille là, elle appelle, dit à tata tout. Elle va nous appeler maman, ça te dérange en quoi? Toujours dans l'homophobie, pourtant tu es une ancienne lesbienne. C'est une lélé qui prenait ta maison, c'est qu'à Londres là, je vais te dire son nom parce qu'aujourd'hui c'est mon ami. Où tu étais au Maroc, c'est une lélé qui louait maison pour toi. 3000 dirhams. Tu faisais quoi la lélé là que tu vas manger. Quand la lélé là s'en va là, tu te prostituais avec les Arabes. Tu vendais ton nier avec les Arabes. Dans ça là, tu as voyé un client chez ta copine faire tous pas. Douma pas tous pas ta copine. Tu allais soulever Yala, même pas un touriste français ou un touriste anglais. Tu allais soulever un Marocain pour venir faire tous pas dans ta maison. Ou la yos il apprenait. Normalement, quand quelqu'un loue, quand ton amoureux loue maison pour toi, tu fais ta bordel, tu t'en dehors. Mais tu as mougou dans la maison là. Tellement que Dieu, d'abord, quand la fille là souffre en Angleterre pour s'occuper de toi là. Tu dis, bébé, je vais manger. Dans manger, tu allais soulever le client pour venir mougou. Et ta camarade, il vous a dit, il va vous donner 2000 dirhams, 200 euros. Arrivé là, le client vient de vous mougou, il va donner 200 dirhams, tu es 20 euros. Tu as frappé le client là jusqu'à. Le client s'est mis au balcon. Quand on parle de réchauffer, mais quand même tu passes, moi, c'est pas du réchauffer aussi. Faut t'asseoir. Tu as botté le client quand le client s'est retrouvé au balcon. Il voulait fuir. C'est les voisins qui ont appelé la police. C'est pour ça que tu as fait la prison. Et quand la police est arrivée chez toi, ils ont trouvé Kali chez toi. Ils ont trouvé hashish dans ta maison. Ils ont trouvé la drogue chez toi. Tu ne vendais pas que la nourriture au Maroc. Tu n'étais pas seulement prostituée. Tu as été arrêté pour stupéfiant. Pablo Escobar des prostituées du Maroc. Toi, tu étais Pablo Escobar. Tu étais prostituée au Maroc. Donc quand la police vient chez toi, on fait une perquisition chez toi. On retrouve des kilos d'hachiches dans ta maison. Va porter plainte. Voleuse. Tu voles un client. Parce que le client t'a promis 200 euros. À la fin, t'as donné 20 euros, 200 dirhams. Au lieu de 2000 dirhams. Pablo Escobar. Djangu son braqueur. Djangu son frappeur, son boxeur. Son Francis Ganou. Djangu son boxeur. Djangu son Pablo Escobar. Toi, tu n'étais pas seulement Djangu. Tu étais aussi prosnat. Et tu étais aussi gangster. Braquage jamais armé. On parle, tu parles. Quand tu as changé où? Mais quand on change, on ne fait plus que béret. Normalement, tu dois nous faire la vie d'une mère digne. Tu dois faire les vlogs avec ton fils. Tu dois nous faire les vlogs où tu vas au supermarché, où ton fils est dans le chariot, et puis il choisit ses cadeaux, où il est en train de marcher, où il fait ses quatre pas. Tu dois nous faire les vlogs. Tu dois faire les directs pour parler, pour donner des conseils aux femmes qui ont duré. Qui a eu les enfants à 45 ans comme toi là. C'est eux, avec eux, tu dois faire les directs. Pour dire, ah, j'ai vraiment galéré, j'ai beaucoup avorté. Tu as dit ici que tu as avorté. Tu as beaucoup avorté dans ta vie. Vraiment, c'est à 40 ans que Dieu t'a donné enfant. Les femmes que Dieu t'a donné enfant à 40 ans là. Viens entre nous, les vieilles femmes de 40 ans, où nos enfants sont déjà. Mais quand tu es vieille, petit enfant, ton enfant est vieux. Quand on regarde l'enfant, on est l'enfant de deux personnes qui ont 60 ans. On m'a dit, je n'ai pas insulté ton enfant. Je ne sais pas de l'insulter. Mais tu as fait ton enfant très tard. Donc c'est enfant d'une vieille femme qui a fait enfant. C'est enfant de grand-mère qui a fait enfant. Toi, l'enfant de grand-mère fait enfant là. L'enfant est chauve avec les oreilles pointues. On dit pour bébé 5 étoiles. Par exemple, ma fille aussi, elle a long oreille, on dit ça met le taux. On part, tu parles. On part, tu parles. Il n'y a pas qu'on jouait les vidéos, il y a 2 heures de live à faire sur toi.
On a combien de minutes? Que 32 minutes. Il me reste 1h30. Tu dis? Tu l'as bien? Sigi, donne, donne, donne. C'est un peu. Il joue Sigi. Tu fais vidéo pour me menacer. Tu menaces ta copine. Pardon pour m'envoyer ça par Messenger, pirogue rouge. Et pirogue rouge, envoie-moi ça par Messenger tout de suite, s'il te plaît. Pirogue rouge. Pirogue rouge, s'il te plaît, envoie-moi la vidéo que tu as enregistrée là. Envoie-moi ça par Messenger tout de suite. S'il te plaît, pour l'amour de Dieu, envoie-moi ça tout de suite. Merci à ceux qui mettent. Merci, Chichu. Merci pour les roses. Bombardez les roses pour sécuriser le live. Ok. Tu l'as bien dit, tu ne me réponds pas que je fais le clash seul. Quand tu fais tes lives, tu te montres aux gens que tu as changé. Oh, je ne la réponds pas. Oh, j'ai changé. Mais avant, tu as dit, allumer ton bata, folie t'a pris. Je n'ai pas commencé à parler. Je n'ai pas commencé à parler ta progéniture, ton passeport. Parce que Dieu, il appelle ton passeport. Tu sais, moi, ma fille, là, on m'a pas brigandé. On m'a pas violé pour lui, pour me faire l'amour forcé pour tomber enceinte. Position, c'était par amour. Voilà. On m'a bien mougou. Tu peux me l'ai bien rentré. Et puis, j'ai bien fait mon enfant. Et puis, je l'ai bien accouché. Tu comprends? Voilà. Je ne suis pas venu en France pour faire enfant pour avoir les papiers. Ça, c'est pas enfant par amour. Voilà. Ce que dans ta mère, là, c'est pas enfant, c'est papier. Ce que dans ta mère, là, c'est pas enfant, c'est kaolo. Ce que dans ta mère, c'est pas enfant, c'est tête. C'est récépissé. C'est type de séjour de un an qui est dans ta main. C'est type de séjour. C'est qui dans ta main là? On appelle la type de séjour. Donc quand tu as un type de séjour, tu dois le soigner, tu dois le laver. Mais toi, ton type de séjour a mauve dans ses narines. Type de séjour là, dagbe. Type de séjour là, toujours enrhumé. Type de séjour là, tous dans ta main. Bouva, 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 bouva. On dit type de séjour là, je ne sais pas si type de séjour là, tuberculeuse. Type de séjour là, souffre comment dans ta main. Ton type de séjour souffre dans ta main. Au lieu de le laver, de laver le type de séjour, de le masser à beurre de karité. De le biberonner, de le laver, de le pomponner, de le coucher, de le faire têter. Non, toi, tu maltraites ton titre de séjour. Normalement, quand tu arrives à la préfecture, on doit te refuser le projet un an. Ma chérie, comme mon enfant est français, ton père était français, mais tu n'as pas eu la nationalité. Tu es arrivé là-bas à la préfecture, tu es venu en France là. Tu dis que ton père était français, non? On est 3300 personnes connectées, t'as porté le live. Mettez les pouces bleus. Hein? Tu dis que ton père, là, il était français. Quand il disait Tilapia, fuis Paris, va dans les petites villes, va chercher ton papier. Tu m'as dit, laisse-le, mon père est français, avant de donner les papiers. Ça va prendre un an, deux ans, il y a à avoir mes papiers. Tu as pris avocat pour être. Parce que ton soi-disant père, qui t'a reconnu à l'âge de 45 ans, là, tu arrives en France, comme tu es passé par l'eau, tu as nagé, nageoise. Tu es venu, André, dauphin, André, les piranhas, tes paquets, tes pommettes, André, ces cueils, là. Hein? Tu as plongé comment pour venir là? Quand tu es arrivé là, c'est là que tu te rappelles que ton père était français. Elle a pris. Pendant que moi, il faisait mon. Comment on appelle ça? Il faisait peut-être ma demande d'asile, elle s'est moquée de moi. Mm-hmm. Quand il y a eu mes papiers, il avait mal. Elle dit, elle là. Quand on m'a s'est clashé, elle dit, elle. Elle sera française d'ici un an, d'ici 6 mois. Parce que son père est français. Ils ont pris avocat. Ils sont partis à la préfecture. Avocat lui dit jamais non. Hein. Ils sont partis à la préfecture. Quand ils sont arrivés là-bas, on dit, madame, tu as quel âge? Parce que quand tu passes par l'eau là, tu ne montres pas ton passeport, tu n'es pas venu par avion. Tu dis que non, tu peux même jeter tes papiers dans l'eau. Tilapia, elle est venue, elle a jeté ses papiers dans l'eau. Elle dit, une vieille bordelle de 40 ans, elle nous regarde dans nos narines. Elle regarde la préfecture là-bas où elle était là. Et puis elle dit, elle a 23 ans. Ils n'ont rien dit, hein. Quand ils auraient ces pommettes, montagne de pommettes, quand ils auraient un paquet de tilapia concentré, quand ils auraient son nez, moitié des narines qui est devant elle là, ils n'ont rien dit. Hello. Son avocat ou son père, on les envoie à l'hôpital, on dit qu'elle fait test d'ADN. Tilapia n'est jamais revenu. Quand elle passe devant la préfecture, on dit, hé hey, madame, où est le test d'ADN? Tilapia fuit. Quand on dit test d'ADN, elle fuit. Parce qu'elle est consciente que ce n'est pas son père. Test d'ADN, il n'y a pas test d'ADN. Elle ne peut pas faire test d'ADN. C'était négatif. Ils ont. Avant même qu'on avait test d'ADN, on dit ouvre tes dents. Quand ils ont fait bœuf de tilapia, ils ont compté. Elle avait. Nous, on a 32 dents. Tu n'as pas 45 dents dans sa gueule. Chaque année, elle a une dent qui pousse. 45 à 45 dents. Elle avait 45 dents dans sa gueule. Quand la préfecture a vu ça, la dame qui donne Kaolo, elle dit, ma chérie, tu
Tu as su que ta vendeuse, tu n'as pas dit où elle a 22 ans. Si vous rappelez un moment, en 2022, quand on s'est clashé, elle disait qu'elle elle est jeune, que moi, je suis plus vieille qu'elle. Quand elle a vu ma messe, elle a fermé sa gueule. 45 balais. Ils ont compté. À la préfecture, la dame a dit souris. Quand elle a souri, comment là? Dents de tilapia. Dans la dans son cerveau, tellement c'est long. Quand elle sourit là, elle a les dents coucou. Elle a une vilaine dentition. Vous allez remarquer la dentition. Si c'est pas l'audio, pas l'audio. Allez-y, regardez sa dentition. Elle a une vilaine dentition. Elle est dans coucou, coucou, coucou. Vous avez les gens qui ont les dents coucou là. On dit, ils ont scié ça à bois là. Elle a des dents coucou. Donc elle se jouait comme une petite fille. Quand elle est arrivée, quand elle est grande là. La dame dit ouf ta gueule. À la préfecture, ils ont pris perso. Ils ont pris les trucs. Ils ont déjà gueule les tilapia. Dans les loin, dans son cerveau. Une vieille rococo. La dame n'a rien dit. Elle a rien paumé qu'elle a. Elle a dit toi, tu as 23 ans. Elle a dit oui, elle a dit vas-y. Quand ils ont compté, ça, on dit va faire test d'ADN. Elle n'a plus jamais retourné à la préfecture. Elle avait OQTF parce que la test de. Le test disait que c'était pas son père. Donc elle avait OQTF. Elle a failli mettre le monsieur là dans le problème. Pour l'usage de faux. Parce que sa mère était une bordel. Et sa mère a menti que c'était son père. Le pauvre n'était pas son père. Elle a même payé le monsieur. Pour aller à la préfecture. Le monsieur n'y avait plus là-bas. Pour moi, il m'en a sorti. Pour moi, pour m'arracher pour usage de faux. Vous avez entendu un quoi? Le con. Il t'a dit le clash à la. Il peut même déclencher 100 ans. Hein? Il peut même déclencher 100 ans. Ça ne bouge pas. C'est moi qui ai dit ça. Vous êtes 3300 personnes connectées. Mettez les roses, s'il vous plaît. Il a dit mettez les roses encore. Mettez les étoiles sur Facebook. Merci à ceux qui mettent les roses sur TikTok. Merci. Si ça bug ici, là, vous venez sur Facebook. D'accord? Voilà. Oui, signez sur TikTok. Quand on signe sur TikTok, venez sur Facebook. Ici, là, c'est tranquille, c'est calme. Vous pouvez venir enregistrer pour partager. Donc, Tilapia, tu parles avec qui? Zagadou, je ne suis pas ton égal. Tu es plus âgé que moi. 1000 fois, la preuve, on a vu ma mère. Tu peux dire, visage Dieu, visage ceci, visage cela. Mais on a vu ma mère. Elle vient d'avoir 51 ans. Donc, je ne peux pas avoir 40 ans. Je peux avoir la moitié de son âge. Ou bien, je peux être dans la trentaine. Je ne peux pas dépasser ça. Je ne peux même pas avoir 35 ans parce que ma mère a 51 ans. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, on calcule, ça ne va pas. Donc, ce poisson, ce poisson n'a pas eu la nationalité française. C'est comme ça qu'elle commence à se promener dans toutes les poubelles de Paris. Quand elle prend, elle va où les kangou la mougoula. Elle prend sperme, barigot de sperme. Elle partait même dans les trous de Péron là, pour aller payer sperme là-bas. Elle ne sait même pas si les gens étaient malades. Parce que comme on lui disait qu'elle est femme cimetière, elle voulait prouver à tout prix qu'elle fait enfant. Elle prend poubelle ici. Sperme, elle met dans son couille pour faire enfant. Elle met dans son nyéré. Elle met dans son boda. Elle met dans ses oreilles. Elle boit même les spermes dans la poubelle pour pouvoir faire enfant. Elle buvait même les spermes pour faire enfant. Parce qu'elle a dit si elle met dans son pédou que ça passe pas. Elle dit, elle prend capote remplie de spermes comme ça là. Elle se met pied en l'air comme ça. Et puis elle veste dedans drugou, pour faire enfant. Jusqu'à ce que un bâtard. Parce qu'il faut, pour enceinte un monstre comme toi là, il faut être malade mental. C'est comme ça, un fils de pute va l'enceinter. Et puis elle nous fait un enfant bâtard. Et puis on ne peut pas respirer. Tu as dit mon enfant au village. Quand il a regardé bébé 5 étoiles. Sexy, belle comme sa mère. Il y a le thé, on a une fille qui vient en bengue. Pendant le village, ça c'est son grand natal encore. Quand on parle de ton enfant au village. Mais tu voulais qu'elle soit où? C'est son village? Ses grands-parents sont là-bas, ses cousins sont là-bas, ses tantes sont là-bas. Où tu veux qu'elle soit? Abidjan, j'ai qui là-bas? Tu crois qu'à cause de vous, je vais prendre mon enfant pour l'amener à Abidjan pour la faire risquer? Abidjan, tout le monde connaît tout le monde là. On dit que c'est l'enfant de Leslie. Ils vont aller kidnapper mon enfant. Pardon, mon enfant est bien là-bas où elle est. Jusqu'à ce qu'elle vienne me retrouver en France. Et quand je vois ici certaines personnes sur la toile qui disent non, va chez ton enfant au village. Quand tu es en France, là, c'est une procédure. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il y a des gens que je connais là. Ils ont les papiers, hein, mais ça fait plus de 3 ans, 4 ans, ils sont fait demande pour les enfants. Je ne suis pas ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Mon papa n'a pas relation au consulat. Je n'ai pas long bras au pays. Je ne suis pas dans la politique pour dire qu'il a appelé un ministre, pour dire appelle tel truc pour me donner un passeport. Je ne suis pas responsable des visas. Je n'ai pas champ de visa dans mon truc pour dire qu'elle est coupée. Le temps que les Blancs ont décidé pour dire, Madame Leslie, on donne visa à votre fille, elle va venir. Pour le moment, hein, je vais la prendre par car. Si c'est l'un des cas, j'ai. Ils vont monter dans le moto taxi jusqu'à vont arriver au Togo. Ils vont arriver au Ghana. Ils vont arriver au Mali. Ils vont arriver au Burkina. Ils vont arriver au Sénégal. On fait les vacances de luxe. Et puis ils vont retourner. Par métro, papa, waro, mais papa, autre. Ils vont retourner. Tant que la route là, il y a des humains qui passent, ils vont passer les autres parties. Ça chauffe pas. Quand ton enfant est là, et tu devais monter dans le bus, et toi, tu parles le monde d'avion, baisse, quand il t'envoie, ça marche, mon parti, ou il m'envole.
Quand il dit pour partir, mais bien beaucoup, 2 000 euros, 1 500 euros. D'accord? Tu parles là pour dire que maman prend première classe pour te faire voir. Tu vas voir pour qui? Elle est sur Facebook. Elle, même quand on lui dit que bien la vie a 3 000 euros, 1 000 euros, elle se fâche. Tenez, voyage, j'en voulais prendre le transport. Elles ont eu la vie à vie Covid. Elles n'ont pas pu prendre l'avion là. Avion, elle a pris plus de 350 euros les deux. Askai. 350 euros les deux. Mais on allait faire test, elle avait dit la vie à Covid. Elle avait même dit Dieu merci qu'on me rembourse l'an de billets. Elle était contente de mettre son an de billets d'avion au bout de son pain. Et puis prend car et sa petite fille, car climatisée. Blomé à Abidjan. Ça te fait mal où? Ça vous fait mal où? Ça te fait mal où? Toi et tes petites putes d'abonnés là. On va aller pas à pas. Voilà. On va t'écouter. Tilapia. La plus grande menteuse. Quand le Camerounais est venu dire qu'il aimait mes vidéos nues, je ne te parlais pas avec toi. Mais tu allais faire vidéo pour dire que tu as reçu les photos, que c'était pas moi, c'était montage. Aujourd'hui, comme ils sont en train d'allumer la télé sur ton diba bien qui sait, tu es parlé fort. On y va. On va t'écouter. J'ai mis des photos. Yuka, on va t'écouter, menteuse. Let's go. Où c'est? Ah, oh, c'est un putain. Ok. Je pense que c'est bon là. Ok, c'est bon. On va y aller. On sécurise le live, s'il vous plaît. Voilà. J'ai lu la photo que j'ai reçue dans mon téléphone hier là. Je dis, c'est pas possible. Elle avait cette vidéo il y a un jour sur TikTok. Pourtant, elle dit, elle ne me répond pas. Qu'elle n'est plus dans la bassesse. Mais quand il dit que si ses abonnés me suivent dans un live, je vais courir avec les oreilles de son enfant. Les oreilles de son enfant qui sont comme antennes, on dirait pour ma fille là. Par exemple, ma fille a la longue oreille. Je vais prendre les petites oreilles et puis il y a un courrier lui de métro à métro. Si ses abonnés ne me vident pas. Parce qu'elle dit, elle ne me répond pas. Mais elle envoie un faux problème. Elle envoie ses petites putes à faire le sale boulot. Mais moi, je ne vais pas faire à tes abonnés. Elle a 5 putes là. Elle a 5 petites Jonju sur TikTok là. Elle donne une connexion et puis elle s'en va insulter les gens là. J'ai dit, si quelqu'un m'insulte, mais insulte mon mari, je vais prendre les youkouris de ton enfant. Boum! Bah, couleur fara betaka, bonnet Francis Bé. Et n'y a pas là. On va aller. Elle n'a rien à dire. Une fille qui est venue s'asseoir pour dire que les vidéos que le Camerounais a dit là, où tout le monde a vu les vidéos que c'était mensonge là. Elle dit, mais répond pas, mais bizarrement, ça s'assoit pour venir dire qu'elle est venue recevoir les vidéos. Pourtant, il y a 7 mois, tu dis que tu avais reçu les mêmes vidéos, que ce n'est jamais moi, c'est montage. Tu n'as pas, tu n'as aucune personnalité, hein. Quand tu dis que tu réponds pas à quelqu'un que tu es, tu as trop, tu es. Toi, tu réponds pas que tu fais des bérets. Bérets que tu fais là, c'est vie. Bérets que tu fais là. Mais ça, c'est la malédiction. Tu tapes 7 heures live, 8 heures en live, 15 heures en live sur la vie de tes camarades femmes. Tu sais qu'elles vont jamais te répondre. Mais là, quand les filles veulent te foire un poney, elles veulent gifler ton pied. Qui sait, tu fuis. Je suis plus dans clash. Je suis plus dans clash. Vidéo que tu viens de faire il y a 24 heures, c'est pour quoi? J'ai lu la photo que j'ai reçue dans mon téléphone hier là. Je lui dis, c'est pas possible. Je lui dis, mais ça là, c'est à ça là que moi, elle doit venir m'asseoir pour discuter quoi, pour dire quoi. Non, mais ça veut dire que toi, tu as fait la prostitution au Maroc, ça t'a pas étonné. Tu as frappé un client, tu as volé son âge, ça t'a pas étonné. Tu as fait braquage au Maroc, ça t'a pas étonné. Tu as même mougou avec ton client, un client est mort dans ta main, ça t'a pas étonné. Ça t'a pas étonné. Au Maroc, tu faisais la prostitution là. Tu es allé avec le trans, t'as la roubi là. Tu es parti avec un trans pour aller faire partout ensemble avec un client. Vous êtes parti là-bas voler le client. Le blanc vous a attrapé. Tu as couru pour laisser la roubi là-bas. Ils ont frappé le gay là jusqu'à ça est monté dans sa tête. Il est mort au Maroc. Ça là, ça t'a pas étonné. Tu as fui pour l'Abidjan. Ta prostitution t'a pas étonné. Bizarrement, en 24 heures, t'as allumé sur TikTok. Tu dis aux gens que toi, tu as trop chargé que tu ne me réponds pas. Mais là, en même temps, ils ont t'envoyé une vidéo de Leslie. Là, même toi, tu as mon poney. Là, tu es étonné de ta vie. Oreille papillon qui tu as dans ta maison là. Petit papillon, vole que tu as dans ta maison là. Ça t'a pas étonné. Youkouri que tu as mis au monde, ça t'a pas étonné. Hein? Ça t'a pas étonné. Confie le milieu son bébé que tu as dans ta maison, ça t'a pas étonné. Hein? Mais c'est pour. C'est Djangjua de l'insulte qui t'étonne. C'est mon Djangjua qui t'étonne. C'est photo, montage que toi tu as. Et puis elle est là, quand elle prend ça, elle se va quand elle est là. Quand elle prend son mouvement comme ça, elle voit 4-4. C'est l'intérêt du go, elle est là, non? Et puis elle ment. Et puis elle croit à son propre mensonge. Elle dit, elle met vide, photo de Bob Lee. Avec l'aise de Bob Lee, non? Et puis maintenant, elle veut parler de Leslie. Yeah, je suis étonné, oh, ce qu'elle a vu. Yeah, et puis elle son film propre. Ça dit, la fille est dans un film. Dans son film, elle est bandit.
elle est brave. Et puis elle tourne son film. Arrête de te droguer, Tilapia. Tu as un sérieux problème mental. Arrête de te droguer, c'est important pour ton cerveau. C'est important pour cet enfant-là, pour lui donner de l'avenir. Arrête de te droguer. Petite droguée que tu sois. Ancien gangster, braqueuse à mère armée. El Papo. El Chapo. El Chapo. C'est pas possible. Elle dit, c'est pas possible. Elle est étonnée. C'est pas possible, je vous jure. C'est pas possible. Yeah. Non. C'est carême. Je veux respecter les musulmans qui sont carême. Et mais c'est fort. Tout d'abord, je souhaite un bon mois de carême à tous les musulmans. Yadela. La fille, elle tourne son propre film. Elle vient s'attendre. Et hey, c'est carême. Et hey, vidéo, j'ai vu là. Ok, disons que c'est ma vidéo. On a qu'à dire un exemple. Que tu as reçu une vidéo nue de moi où je fais l'amour avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a de... Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant? Peut-être que tu es une grosse pute. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant? De voir peut-être ta caméra femme. Ou bien c'est pas ici les yeux. Ou bien c'est pas ici ta star. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant? Mais tellement tu es une grosse menteuse. Où tu as assis dans ta maison là. C'est-à-dire depuis on te connaît. Plus de 5 ans. Même canapé où tu es en sous-location là. Même canapé. Même maison. Tu es là, tu pètes là, tu chies là, tu te laves même pas. Ton père tout sent comme ça. Odeur de pétage. Tu as été pété dans la narine de bébé confié au midi. Tu as été pété dans confié au midi. Fitini. Oreille, tu t'es pété dans l'oreille, tu pètes, tu chies, tu te laves là, t'as ton consent dans la maison, quoi, boum, boum, boum. Tu finis, tu te drogues là, et puis tu es là, tu es parlé fort, tu parles à qui même? Tu es menacé qui même? Hein? À bloquer. Hein? De bloquer où c'est qui? Appelle d'abord comment? Appelle d'abord comment? Zadi. Zadi, je te bloque, allez! Non, 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 faut pas aller, chérie. Oh, tu me dis seulement le nom, il bloque. Voilà. Punaise dans ton canapé. Tu t'assois là, tu vis avec un enfant dans punaise. Mère indigne. Et tu là, tu ouvres ta gueule pour parler à qui? Clitoris froissé, tu parles à qui? Hein? Je vous jure que ça là, hein? Voilà, ça va salir le blog ivoirien. Le Camerounais est venu ici dire dans ma vidéo, ça va pas salir le blog ivoirien. C'est la même vidéo là qui a salir le blog ivoirien. C'est la même vidéo là qui a salir le blog ivoirien. Hein? Il n'y a pas quelqu'un qui a sali blog ivoirien que toi. Toi, tu as envoyé injure des enfants. Tu as affiché les enfants des gens. Tu as enregistré les gens. Maman enregistreuse. Qui a sali le blog ivoirien? Donc, c'est quand les cibles allaient baiser un chien, les cibles allaient mougou un chat, les cibles allaient mougou passer peut-être avec un blanc, que ça a sali le blog ivoirien. Moi, mon propre combat sali le blog ivoirien. Salis-moi, mougou. Si c'est vraiment moi, je mougou. Et puis, ça sali le blog ivoirien. Mais vas-y, mets les vidéos. Je vais te garant. Je vais te garant. Moi, je te dis, on ne me menace pas. T'es conneries que tu fais tes mensonges, c'est pas sur moi. Les autres ont commencé, ils ont déposé. Ah oui, hein. Même mensonge, diffamation que t'as fait là. Les autres ont commencé. Normalement, je dois insulter ton enfant quand tu as pleuré. Mais si encore t'es dosé, pas et tout ça là, non. C'est maman gênée parce qu'elle, elle connaît ma famille, c'est ma tante directe. Elle m'appelait ici en transe là. Il me calme, ça c'est mon calmement. Quand il est allumé, pas il est. Si tu diffames sur mon fils, il a été porté plainte. Tu es en train de diffamer sur moi. Tu es en train de diffamer sur moi. Tu es en train de diffamer sur moi. Où tu es en train de dire que tu as des vidéos de moi. Parce que si on arrive au procès, tu n'as pas dit mon nom. Mais ici, là, ils ont mis mon nom. Et tout ce que tu es en train de dire, là, fait allusion à moi. Tu as fait sortir les vidéos de porno que j'ai. C'est genre de choses, là, c'est chez les Camerounais, j'avais pour habitude de voir. Mon Dieu. Hey, Aya, tu as fabriqué aussi des poubelles d'air. Là, ça veut dire que tu as pris au moins, tu as pris au moins trois traces de coque. Elle a pris au moins trois traces de coque. Et puis, elle a assise. Et puis elle croit son maçon que tu as fabriqué. Toi, tu as fabriqué qui? Toi, tu as fabriqué qui sur Facebook ici? Si tu as fabriqué. Si tu sais fabriquer, hein? Vraiment, il faut fabriquer ton fils, va devenir président ou ministre. Si tu sais fabriquer là, ton petit Kirikou qui est dans ta main là, il faut le fabriquer avec l'homme. Oreille qui est dans ta main là, réceptif qui est dans ta main là, papier qui est dans ta main là, on le fait enfant pour amour. Toi, tu n'es pas enfant par amour, tu fais enfant par papier là. Ton papier qui est dans ta main là, ma chérie, il faut te faire devenir président. Ça, tu peux fabriquer quelqu'un. Et puis tout le monde a vu que toi. Facebook, j'ai 500 000 abonnés et c'est ma cinquième page. Toi, peut-être, tu as deuxième page, je vais troisième. Tout le monde te dépasse. Tu m'as fabriqué en France, sa chienne. Je suis venu en France en 2018, en juillet. Tu es venu en août. C'est moi qui t'avais venu en France. C'est à cause de moi. C'est moi qui t'ai fabriqué. C'est moi qui t'ai ouvert la porte de la France. Ah oui. J'avais 12 ans de prostitution au Maroc. Tu n'as jamais pris. Tu n'as jamais pensé à voyager. Il fallait. Tu ouvres ton mougou dans tous les sacs, ton mougou dans le sable. Quand il est beau, ça, tu as commencé à pleurer. L'esprit de mon tes coordonnées. Je dis, hé, hey, ceux-là, c'est les menteurs. Tu es parti même, hé, t'as bouqué cela-bas. Son frère t'a fait venir. C'est moi qui ai ouvert la porte de l'Europe. Le téléphone de
gars. Et puis tu as volé encore le téléphone du Sénégalais. Une grande voleuse. Il a dit, il y a les vidéos. Il fait 2 heures de live sur ton con. Tu crois que m'amuse de toi ici à 52 minutes. Tu crois que je suis ici, ta camarade. Hein? Ma chérie, toi de fabriquer quelqu'un, c'est moi qui t'ai fabriqué. C'est moi qui te montre la route de la France. Dis-moi merci. Et ça va rester dans l'histoire. Parce qu'en 2017, là, je suis venu au Maroc pour te trouver. Depuis 2012, tu es au Maroc, tu vendais ton gésier. Tu vendais tes lèvres. Tu vendais ton clito qui te sert de micro. Tu n'avais jamais pas dit. Tu volais les clients, tu partais en prison. Quand j'ai traversé la Méditerranée en 2018, tu m'as suivi avec beaucoup de yakis. Toi-même, tu dis que j'ai porté chance à toutes les filles du Maroc. Toutes tes copines putes, là, les droguées qui te suivent, là, elles toutes sont venues derrière moi. C'est Zaradou qui a fait le son. Tu parles à qui? Je suis ton égal. Je suis ton égal. Tu es plus âgé que moi, mais je suis plus wise que toi. Ah oui. T'as de fabriquer qui? Et puis, depuis que tu es en France, là, tu es assis dans punaise, là. Tu es assis dans punaise de Saint-Denis, là. Tu es en sous-location. Tu n'as même pas ta propre maison. Où tu es là, l'appartement est là, au nom de quelqu'un. Moi, je pensais que tu allais faire même. Quand tu seras enceinte, mais tu allais habiter le père de ton enfant. Tu vis tout dans punaise. Au milieu des junkies en train de te droguer là-bas à cause de ton enfant. À quel moment tu as donné à venir meilleur à ton fils? Où tu te drogues à côté, tu veilles. Tu es en train de faire béret. À quel moment? Sa chienne. Drogué que tu sois. Tu parles à qui? C'est ton égal? Quand il est fabriqué, bon, mais il fabrique les gens. Quand tu prends ta drogue là, si on t'a demandé même Ado, c'est toi qui t'as mis au pouvoir. Viens nous dire que tu as mis Ado au pouvoir. Viens nous dire aussi que tu as mis Ado au pouvoir. Que c'est toi qui enlève Babou à la haie. Viens nous dire que tu as mis Ado au pouvoir. Tu enlèves Babou à la haie. Sa chienne. Dis-nous qui sera le futur président en 2025, comme tu es une fabriqueuse. Dis-nous qui sera le futur président en 2025, idiote. Tu parles à qui c'est ton égal? Tu me peux quelque part? Toi, tu me peux, on est venu en France en même période. Il y a eu mes 10 ans. Oui, oui. Il a déjà fait le tour d'Europe. Tous les pays d'Europe, là, il a déjà fait la plupart. Belgique, Suisse, Grèce. Tous les pays, Espagne. Il est descendu en Allemagne. Il est descendu en Angleterre. Chez la reine Elisabeth. Et puis, si j'ai sauté encore, il s'est parti aux États-Unis, il a fait 3 États. Et c'est ton égal? Tu parles à qui même? Tu parles à qui, puis tu es là? Tu t'assois sur ton vieux con là? Et puis tu ouvres ta gueule quand tu es drogué? Tu t'as demandé si tu as mis Ado au pouvoir? Non, c'est moi, elle avait Babou à la haie. Non, c'est moi, elle fait ça. Non, le futur président de la Côte d'Ivoire, c'est moi, elle a déposé. Ta main contre la pierre, tu peux rien créer. Tu n'es personne, tu n'es que dalle. Tu as payé 4-5 putes. Tu vas les mettre la connexion et puis elles vont me insulter. Mais je t'ai dit, tes abonnés m'insultent. Je insulte mon mari, je vais insulter ton enfant. Et je n'ai pas pour insulter ton enfant. Tu es là, le père de mon enfant est français, mon fils est français. Si tu diffames sur lui, ta mère qu'on la mère qu'on du père de ton enfant. Lui qui t'a enceinté là, son bas bien. Coupe, tu vas les donner, puis allons au procès. Et je vais voir le bâtard qui t'a enceinté. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Quand tu insultais mon enfant, tu ne sais pas qu'un jour, quelque chose allait sortir dans ton con. Quand tu insultais mon enfant, tu ne sais pas que Kirikou allait sortir dans ton pétou. Quand tu insultais mon enfant, tu ne sais pas que Fidine allait sortir dans ton nyéré. Tu ne sais pas ça. Mais la roue tourne, c'est ton temps. Tout ce que tu as dit, mon enfant, au village, je suis fier. Elle est en sécurité, elle est sa grand-mère. Voilà. C'est pas les animaux qui vivent en campagne. C'est pas en France, ici, là. Même en France, ceux qui vivent dans les grandes maisons sont en campagne. C'est pas les animaux qui vivent au village. D'accord? Ta mère, la pute, était au village. Si ma mère et ma fille sont au village, c'est bien. Il y a chef du village, il y a préfecture, il y a collège, il y a tout là-bas. C'est parce que si elle souffre, pourquoi ma fille vient en France, là? C'est parce que je vais pas être loin d'elle. Elle me manque grave. Et je veux qu'elle soit près de moi. Mais je ne suis pas celle qui donne. Je ne détiens pas les visas. Je n'ai pas de relations en consulat de Côte d'Ivoire. Je suis les procédures comme tout le monde. Mais ça ne va pas m'empêcher de vivre. Ça ne va pas m'empêcher d'être la Queen Mada. Ça ne va pas m'empêcher d'être les 6-5 étoiles. Ça ne va pas m'empêcher de voyager. Donc tu ne peux rien créer avec tes mensonges. On va aller pas à pas. Comment tu peux t'élever fabriquer les tourneuses de Poporo? Sans prix, un saligomania dessus. Oh, aïe, franchement, il ne savait pas. C'est moi, il savait que c'était ça. Moi, il n'allait jamais fabriquer ça. Hein. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Diva, dis quoi? Allez, Charlie. C'est Diva. Écoutez là. Bonjour ma camarade. Ma camarade, tu as reçu ce qu'il y a reçu là? Elle est là, écoutez. Quand tu as reçu aussi ma camarade? Je vous jure, c'est tout ce que je cherche dans ma vie. C'est tout ce qui m'échappe. Pas mettre mon enfant. Je vous jure. Sur mon aventure en France. Je suis choquée. Tilapia, tu n'as pas d'aventure depuis que tu es en France. Je vous dis qu'elle est choquée. Tilapia, tu n'as pas d'aventure en France. Je suis ton enfant. Moi, je peux jurer sur ma fille qu'il n'y a aucune vidéo de moi qui existe. D'accord?
Voilà. Et là, je suis en train de jurer que je jure sur mon enfant. Il n'y a aucune vidéo de moi qui existe, soit disant que le Camerounais a que j'ai tourné pour parler avec quelqu'un. S'il y a une vidéo de moi, tu l'exposes et tout le monde le verra. Juste ton petit bâtard que tu as vu vidéo, que j'ai vu sur mon aventure. Mais sinon, on peut jurer sur nos bengues. Nous, on peut jurer sur nos bengues. Parce que nous, on est des vrais aventuriers. Moi, je peux jurer sur mon bengue parce que je suis une vraie aventurière. Depuis que je suis en France, je bouge, je travaille. Je peux me reposer 6 mois, mais quand il commence ça, on ne peut pas m'arrêter. Tu as compris? Juste ton petit bâtard qui a les oreilles, on dirait petit lapin là. Juste lui. Juste papa Kofi. Kofi Junior. Faut jurer sur Kofi Junior. Juste lui. Il faut jurer sur Fitini. Juste Kirikou. Il faut jurer que Vido, qu'on te l'imagine là, que c'est laissé que je suis mon aventure. Tu as gardé l'aventure. Depuis que tu es enfant, c'est dans la maison. Tu n'es jamais sorti pour aller même. Quand tu sors ce château rouge pour aller te tresser, pour aller faire tes ongles. Donc tu as juré sur ce château rouge. Tu as juré sur ce château rouge. Toi, tu es maudite. Toi, tu es la plus barbière. Vidéo, mais comme tu avais vu que ce n'est jamais moi, on n'était même pas en paix. Tu es venu ici que tu envoyais les vidéos, c'est montage. Comme si tu t'allumais, tu viens dire, j'ai ici mon aventure, que c'est elle. Okay. En tout cas, moi, personnellement, je ne vais pas mettre ça. Tu ne peux pas mettre, parce que tu n'as rien. Tilapia, tu ne peux pas montrer parce que tu n'as rien. C'est toujours la même chose. C'est les mêmes, tu mens toute ta vie. Quand tu as preuve, est-ce que toi tu gardes? Quand toi tu as preuve, est-ce que toi tu gardes preuve? Quand toi tu as papo, c'est quelqu'un, tu gardes des papos? Ça chienne. Quoi, je ne peux pas mettre parce que tu ne peux rien mettre. Si tu as les vidéos nues, tu as les vidéos pornographiques de moi, je t'ordonne de les mettre. Je te juge, je n'ai pas porté plainte contre toi. Tu as les vidéos nues de moi. Poste-les. Tu penses qu'il y a négocié avec toi, fils de pute. Ta mère la pute, ton père le pingouin. Tu penses qu'il y a négocié avec toi? Jamais. Moi, il ne négocie pas être terroriste. Si mon pétou est dans ta main, balance. Et le monde entier va assister au pétou de laisser 5 étoiles. Tu blagues avec qui? Ne serai jamais au sauvage. Hein? Hein? Bien là. Et tu penses que tu as venu me menacer? Parce que tu as peur que j'insulte ton enfant? Ton petit bâtéron qui est dans ta main là. Tu as peur qu'il l'insulte? Tu m'as dit, oh, j'ai les vidéos. Hey! Pas à pas. Il a ouvert ton cul et nager dedans. Tu me connais? C'est la queen, Mara. Si je ne vais même pas me salir avec. Quand elle va se salir? Mais quand il a vu. J'ai pas vu. Oh. Hey, tu n'as pas vu. Hey, chercheur d'enfant. La fille a mis en commentaire, je n'ai pas vu. Bon, toi qui mets les commentaires bêtes, bêtes là, vous faites ça pour. Il est bloqué. Yaya là, il est bloqué. Mon Dieu. Ah, moi c'est Leslie, hein. C'est pas possible. Pas comment les gens sont en carême. On lui dit maintenant demain, elle, il est en son carême. Tu l'as fait, faut mettre la vidéo là. Mets la vidéo, laisse carême. Appelle comme ça, la carême est coupée. Et c'est que tu es dans mon live, tu m'écoutes. Les gars, signale-lui, mettez les cœurs. Mettez les cœurs là. Si vous êtes 3300 personnes, mettez les cœurs. Tilapia, carême est coupé. Cette fois-ci, là, tu n'as pas t'en sorti, oh. Tu pleures là, tu es en train de diffamer. Hey. Tu diffames. Ah, en même temps, tu intimides ton adversaire. Tu diffames et tu es dans l'intimidation. Parce que tu as peur que je suis ton petit bâtard que tu appelles enfant. Tu intimides qui? Ah, mais c'est Oyerolo. Hey. Hey. Je lui demande pardon, le Camerounais. Je suis venu dire, il ment. Sur Facebook là-bas, il a fait direct. Tu es un menteur. C'est faux. Oh. Pardon, mon frère. S'ils ont saoulé ma vidéo, je te demande pardon. Je ne savais pas que ça existait réellement. Pardon. Si la pièce existe, il faut poster. Tu penses que tu peux mentir sur moi? Jamais. Tu me fais de la peine. En fait, j'ai pitié de toi. Tu es tellement merdique. Tu n'as même pas tellement de vie. Regarde. 5 ans de réseaux sociaux, tu n'as rien réalisé. À part nous rapporter un bâtard. Tu vois? Et tu te retrouves à faire un anniversaire merdique avec des inconnus. Tu fais un anniversaire avec des inconnus. Je n'avais même pas tes amis de longue date. À part les putes que tu connaissais au Maroc là. Les drogués. Ton anniversaire était rempli de drogués. Et puis des gens qui t'ont connu sur TikTok. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne que tu connaissais dans la vraie vie qui était à l'anniversaire de ton petit bâtard. C'est vraiment dommage. Et tu diffames sur moi? Tu veux diffamer sur moi? Fille de pute! Ton père, ses testicules sont géants dans son pantalon là. Tu as fini de le faire opérer? L'autre côté nous a dit que ton père a des testicules géants. Est-ce que tu as fini de t'occuper de ces testicules qui sont à canapé des Marocains là? Tu as fini de t'occuper de ça? Je comprends pourquoi la personne avait la trouble. On sentait, parce que vous sentait la peur dans la personne, mais c'est déjà gâté. Donc on va se lancer. Il sentait la peur comme ça. Il dit, les gens me disent,
Quand il y a façon, la personne a peur, puis la personne tremble, la personne fait comme ça là. Si c'est pas vrai, il dit non, c'est pas vrai. Quoi, il sentait la trouble. Déjà, français te dépasse. La plus sauvage, la plus illettrée de tous les baouliers que je n'ai connus. Quoi, il sentait la trouble. Quand tu me regardes, tu as déjà vu péter son peureux. Tilapia, tu as déjà vu péter son peureux. Si tu as vu, mets ta main, ma main dans le feu. Je ne peux jamais avoir peur. Même si tu m'attrapes sur un acte, un fait, je ne peux. Tu as déjà vu bêter son peureux. Écrivez dans les commentaires. Comment il confirme? Tu as déjà vu bêter à la trouille. On dit trouille, on dit pas trouble. Chienne illettrée. Tu as déjà vu Zagadou son peureux. Ça n'existe je pas. Je ne peux jamais avoir peur. Parce qu'un énergumène dit, j'ai ta vidéo. Donc tu penses que quand tu as dit, j'ai ma vidéo, si j'ai peur. Tu l'as bien. Le gars qui a dit, ma vidéo, avec tous les blogueurs, ils étaient les mères cons pendant une semaine, ils n'ont jamais fait sortir vidéo. À la fin, ils ont démenti, je vais montrer les preuves ici. Ah oui. Tu n'es rien, tu n'es que dalle. Tu n'es personne que j'ai compris, voilà la trouille. Donc, tu t'es dit que, ah, elle veut me dévancer. Bon, là, je sens que les îles où l'entrée est partie, la personne qui va insulter mon enfant. Attends, en même temps, je vais parler de porno, là, elle va disparaître, elle va fuir. Ta mère con orange, blanc, vert. Ta mère qui est morte dans la tombe. Y'a même ma main dans son babier, tu me connais. Ton père qui a testicule dans des murs, là. Quand il y a atterri, il veut coûter à ces testicules-là. Tiens, on pleut pas, hein. On pleut pas. Les parents, ils sont habitués, ils n'ont pas TikTok, ils s'en foutent. Ils n'ont pas Facebook, ils s'en foutent. Tu as dit, quand il y a même coûter de pied. Dans le testicule de ton père, là, on pleure pas. Ton petit bâtard, tu mets pas en état sur la tête là. Va t'occuper de lui. Sa chienne, qu'on la trouble. Il est en train de t'insulter pour que je mette la vidéo. Car là-bas, tu n'as aucune vidéo de moi. Tu n'es qu'une mytho. Il n'y a pas de vidéo de Leslie. Quand il est fini, tu vas me répondre encore en parabole. Tu vas travailler. Il dit, j'ai appuyé la télécommande. Quand il met digne, tu trembles. Tu trembles sur toi. Tu trembles sur toi. Tu oublies de faire les ralliements. Tu vois, elle a un nouveau système. Avant que je continue mon allocution, elle a un nouveau système sur TikTok où elle se rallie aux petites filles qui font les panels, les petites directs là. Elle envoie 5-6 abonnés là-bas pour aller monter dans les lives pour monopoliser les directs. Pour faire crochet, elle a 5 filles comme ça, 4 ou même 5. Elle monte sur les lives. Pour vous rappeler ici, on va continuer d'abord avant de venir sur l'histoire de Bob Lee. Tu me connais où? Je suis ton terminus. Il a couru les testicules de ton père. Ton père, là, il a ni non, ni test à croire. Je vais prendre les testicules de ton père. Et puis, il y a dosé coup de poing pété dessus. Ça ne chauffe pas. Va porter plainte. Jerry, en tout cas, ne comptez pas sur moi pour mettre ça sur les réseaux. Je ne comptez pas sur moi. C'est lui qui a commencé son travail. S'il veut, il va remettre là-bas, c'est son problème. Mais moi. Elle dit, maintenant, les gens lui disent, mets la vidéo. Elle dit, ne comptez pas si elle. Ne comptez pas si moi pour mettre la vidéo. Elle n'a aucune vidéo. Au fait, tu viens. Tu lances une rumeur sur moi. Tu es en pleine diffamation. Au fait, je veux que tu portes plainte. Va porter plainte pour dire Leslie dit que. Yadi, va porter une plainte maintenant. Dis au commissaire que Leslie dit que ton fils c'est un bâtard et que c'est un fils de pute qui t'a enceinté. Va porter plainte pour ça. Va porter plainte rapidement. On va se trouver là-bas. Tu vas t'expliquer. Ne comptez pas sur moi, mais je dis sur ce que je cherche dans ma vie en Europe, sur ce qui m'est cher sur terre. Je vous jure, sur tout ce qui m'est cher, sur mon aventure en Europe, photo là, il fait dans mon téléphone, c'est bien et belle la personne. Tu affirmes, et j'espère que quand on va arriver au tribunal, tu vas montrer les preuves. Aïe, je ne vais pas entendre qu'on arrive au tribunal. Non, monsieur, votre honneur, je ne parlais pas d'elle. Les vidéos parlent de moi, parce que tu parlais du Camerounais dans la même vidéo. J'ai déjà enregistré la vidéo, même si tu demandes à la personne de supprimer. J'ai déjà enregistré la vidéo. On sait tous que c'est sur moi le Camerounais a diffamé pour dire qu'il allait les vidéos nues de moi. Et à la fin, il allait télécharger les vidéos sur YouTube pour venir dire que c'est laissé tout le monde à ce qu'il mentait. Donc, tu es en train d'affirmer que tu as les vidéos. Ton petit bâtard que tu as chez toi à la maison là, que tu mets biberon dans ses narines, on le met sa gueule. Ton petit bâtard que tu as baisé les clodos de Paris pour le mettre au monde, dans les poubelles, dans les rues de Paris là. J'espère que tu allais porter plainte pour dire que j'ai insulté ton levain là. J'espère que tu as montré la vidéo à ton avocat. Pour dire que tu as menti sur moi. Et que tu as les preuves. Parce que moi, moi-même, cette vidéo porno, là, j'ai ça et toche. Tu penses que quand tu as parlé, ça va faire quoi? Toi, tu sais pas à qui tu parles. Hein? Moi, je ne négocie pas les terroristes. Je négocie pas. Moi, je te vois en djihadis. Moi, quand tu me menaces, moi, je suis une américaine dans le sang. Quand je te vois, tu me menaces, je te vois en djihadis. Tu me menaces, j'allume ton barbier. Il prend un marteau, non? Et puis, il est cassé, il m'assoit une journée. Je vais casser la tombe de ta mère. Je vais retirer les os de son con. Je fous ça dans ta gueule.
Faut me regarder, va porter plainte. Je vais te faire l'huile sur le calendrier. Je vais te faire l'huile sur les testicules de ton père. Vous pouvez même couper le direct du titre, je m'en bats les couilles. On est 3300 sur Facebook. C'est ça qui m'intéresse. Ça reste. Enregistré en même temps. Choquée, scandalisée. Je dis abasourdi. Abasourdi. Elle est abasourdi. On va écouter la deuxième vidéo. Surtout quand tu te dis aide d'un bord. C'est pas normal. Ok. Pour toi, ça là. Lala. Elle va rentrer dans les menaces. Elle est en train de me menacer. Vous allez écouter. Elle dit, elle ne me répond pas. Elle a fait ça là il y a deux jours. Ou bien un jour et demi. Je ne sais pas comment calculer. En fait, surtout quand tu te dis être dans un bord, ce n'est pas normal. Photos, donc, ça... elle te dit qu'on est dans un bord. Elle parle de mon orientation sexuelle. Elle dit qu'elle a des photos compromettantes de moi. Et surtout quand on se dit dans un bord. Cette même menace là, il y a des gens, il y a des blogueurs qui m'ont fait ça ici en 2020. Ce n'est pas allé quelque part. On va y aller tout doucement, on va t'écouter, on va décortiquer. Je voulais prendre juste la photo, la vidéo pour publier. Mais je dis c'est trop foutaise. Il faut qu'il parle dans la vidéo. On va m'écouter. Toi, tu prends une maudite. Tu vas fuir toujours mon clash. Tu vas toujours fuir mon clash avec ton petit bâtard, ton enlevé qui est dans ta main. Mais quand elle t'a attrapé là, quand elle t'a attrapé comme ça là, tu n'as pas croire. En fait. On l'écoute. Hein? Tu te dis aide d'un bord. C'est pas normal. Photo ça là. Photo ça là. Ça s'est fait en Europe ici. Si moi, je suis mauvaise là, il est prêt à m'être déposé. Là où ça doit être. Mais comme je ne suis pas une personne qui est mauvaise. Elle dit, la photo qu'elle a, les vidéos pornographiques de l'essai qu'elle a là. Moi, je suis dans un bon champ, je suis lesbienne et je vais baiser avec les hommes. Donc, les vidéos et les photos qu'elle a, elle a de moi, elle affirme que c'était fait en France et que comme j'ai un titre de réfugié reconnu comme une personne LGBT. Donc, si elle prend les photos là, elle va être ça à l'OFPRA parce que c'est l'OFPRA qui a parlé. À qui des droits? On va m'arracher mes papiers. Tu l'appelles ta mère con, mets les photos. Il y a le mail de l'OFPRA, tu écris. Madame Leslie, voilà, elle s'est déclarée en tant que lesbienne en France, elle vit avec une femme. Mais bizarrement, celui qui m'était démangé était bloqué. Mais bizarrement, on a retrouvé des photos d'un mougou un homme. Ils vont te dire, si en tant que personne LGBT, si on n'a pas le droit de mougou d'abord avec un homme. Il dit ta mère compte, il a pas fait. Moi, je vais t'insulter pour que tu mets les vidéos. Toi, tu vas me menacer. Elle veut se créer des problèmes. Hein? Tu vas me menacer. Ta mère compte chaque matin que tu te réveilles. Ta maman qui est morte là. Son gros con ouvert dans sa tombe. Quand il pleut comme ça là, dans le village où elle est enterrée sauvagement là. Où ta mère est enterrée comme une pute là. Et puis ils l'ont enterrée. Et puis ses pieds sont écartés dans sa tombe là. J'ai dit, chaque matin que tu te réveilles, sa mère compte. Mais publie les photos. Tu menaces qui? Tu connais la signification de LGBT? Elle, lesbienne, baisse, ça veut dire bisexuelle. Les bisexuels ont le droit de sortir avec les hommes et les femmes. Donc, tu as compris, même si tu trouves une vidéo de moi où je suce la queue d'un homme, j'ai le droit, c'est mon corps m'appartient. Quand dedans, papier, on te dit, bah, tu n'as pas le droit de baiser quelqu'un. D'accord? Il y a les gays, il y a les lesbiennes qui sont mariés avec les femmes et les hommes. Donc, tu menaces qui? Tu menaces qui? Sa maman. Tu menaces ta mère, ta pute qui est dans sa tombe, ou bien tu menaces les testicules froissés, gonflés de ton père, on dirait pimper des enfants là. Tu menaces qui? Hein? Tu menaces qui? Tu menaces qui? Quoi si j'envoie les photos, les vidéos à qui de droit? Envoie, c'est à l'OFPRA. Là-bas, c'est. Je suis reconnu comme réfugié. On a pas la convention de Genève, c'est 10 ans. Protection internationale, il n'y a pas l'homme pour m'arracher ça. On t'a pas dit ça? Il n'y a pas l'homme pour m'arracher mon carolo. Le jour que tu vois qu'il n'y a plus le papier des réfugiés, c'est que ma nationalité française. Ou bien je décide de rentrer à la préfecture, j'envoie un courrier à l'OFPRA pour dire que je ne veux plus. Être réfugié, c'est moi qui décide. Ce n'est pas l'homme pour m'arracher, ça, t'as pas dit ça? Il ne connaît pas le papier là. Toi, tu es là. Donc, si on vous demande bien, si demain je ne suis plus à dire que je suis avec un homme, on m'arrache mes papiers, vous êtes bête, hein? On dit LGBT dans B, là, il y a bisexuel. Donc, on a le droit de mougouer avec qui on veut. En Europe, ici, là, le blanc ne te demande pas si tu mougouer chien ou si tu mougouer chat. Tes abonnés, ils lettrés là. C'est eux, tu as blagué, hein? Voilà. C'est pas parce que je suis réfugié, je vis avec une femme. Que je n'ai pas le droit de mougou avec les hommes. Si j'ai envie de mougou avec un homme, je veux qu'une grosse queue me foute, une queue, une chair rentre dans mon poitou. Je fais appel à un escort boy, ou je vais me faire draguer en boîte, il rentre un gars, et le mougou, puis s'en va. Qui t'a dit que c'est interdit? Qui t'a dit que c'est interdit? Petite villageoise illettrée, bâtarde là. Qui t'a dit que c'est interdit? Tu menaces qui? Ta mère contre ton bâtard que tu as mis au monde là. Va menacer son père. Hein? Va menacer son père pour qu'il te donne 200 euros. C'est pas moi que tu as menacé. Moi, c'est Zara. Je dis, on ment sur cadavre. On ment sur cadavre, on ne ment pas sur une blogueuse, on ne ment pas sur une fille bêtée. Faut regarder dans mes yeux. Tu as déjà vu bêtée qui a peur, il n'y en a pas.
Bété qui a peur, tu sais que c'est un bâtard. Il n'est pas vrai Bété. Bété de père et de mère. Tu as déjà vu Bété qui a peur? Petite pute illettrée. Tu parles qui, moi? Tu parles moi? On va y aller. Pas à pas. Et que je ne suis pas une personne qui a un mauvais cœur. Mais comme je dis là, le jour où il aura fait une petite diffamation sur mon enfant net, je vais accompagner pour pousser la personne avec. Mmh. Je vais en mettre sur les raisons. Hein. Mais là où la photo doit se retrouver, ça va se retrouver là-bas. Écoutez. Les vidéos, les photos que j'ai reçues. Écoutez, s'il vous plaît, bébé, s'il te plaît. Mais je suis. Je ne suis pas une personne qui a un mauvais cœur. Mais comme je dis là, le jour où il aura fait une petite diffamation sur mon enfant net, je vais accompagner pour pousser la personne avec. Je vais en mettre sur les raisons. Hein. Mais là où la photo doit se retrouver, là, ça va se retrouver là-bas. Les vidéos, les photos que j'ai reçues. Donc, quand je vais diffamer sur ton fils, ton petit bâtard là que tu appelles enfant là, celui qu'on t'a baisé n'importe comment parce que tu voulais tomber enceinte là. Je sais même pas qui est le père de ton enfant. Tu as collé la grossesse à quelqu'un qui avait la nationalité française là. Toi-même, quand on va arriver au procès là, je vais demander au juge de te faire un test ADN à ton petit bâtard que tu appelles enfant. D'accord? Que quand tu as diffamé sur moi. En fait, elle me menace pour ne pas que je suis. Est-ce pas que vous comprenez? Je remets la partie. Elle me menace en me disant que si je parle de son fils, si je diffame sur son fils, quand ils vont aller porter plainte, ils vont mettre les photos pornographiques de l'essai dessus pour dire que c'est pas une vraie lèle et arracher-lui de ses papiers. Ta mère con de ton fils, mère con de celui qui t'a enceinté. Qu'est-ce que tu penses pas porter plainte? Quand tu as porté plainte là, ça prend combien de temps? Je vais recevoir mon courrier. Je vais recevoir mon courrier. Et quand je vais recevoir mon courrier là, je vais t'insulter quand le jour du procès. Quand le procès va finir là, même si tu gagnes le procès, je vais t'insulter quand le procès va finir. Tu me connais? Tu me connais? Quand je vais mettre sur les papiers. En fait, elle me fait peur, en fait. Mais tu sais pas à qui tu as affaire. Tu sais à qui tu as affaire. Je sais pas, tu me connais depuis 2020, tu me connais, en fait. Tu sais pas à qui tu as affaire, mais tu fais exprès. Moi, je suis Bété de Dalloa. Tu mens sur moi dans une directe pour dire que tu as des vidéos pornographiques de moi. Le jour où on arrive au procès, tu vas les faire sortir. C'est de ça qu'il s'agit. Quand je vais ajouter ça. Donc, tu attends que j'insulte ton bâtard là pour que tu aies porté plainte pour ajouter des photos de moi. Mais rajoute-les. Faut pas seulement les rajouter. Fais un film, fais un montage. Et puis tu envoies ça au tribunal. Fille de pute. Ta mère était une pute au village. Elle a baisé avec un gars qui était dans le champ de manioc. Ils l'ont mougoué un bangidrome. Ils ont fait de la mougou. Elle a mougoué monsieur Robert. Et puis tu es tombé enceinte. Monsieur Robert n'a jamais accepté ta grossesse. Parce qu'il savait que ta mère est une grosse salope du village. Mon père, tu parles. Tu es malade. T'as même menacé. Et tu pensais que quand tu allais faire cette vidéo, j'allais me cacher. Tu vois, quand tu as fait vidéo, j'allais pleurer. Oh, elle va m'envoyer mes vidéos. Elle va m'envoyer ça. Ils vont m'arracher mes papiers. Imbécile. Ta mère con ploco placa beurre. Ta mère con rognon. Ta mère con spaghetti. Ta mère con peut au pain au fou. Ta mère con peut au fou. Arrêtez de m'appeler. Mais je suis déçue. Je suis déçue. Pourquoi j'en parle? Tu as pas de me menacer. Je fais un live spécial dessus. Je me rappelle quand j'avais fait ce live là, quelques abonnés m'ont appelé et me disent ah, il ne faut pas défendre. Et puis quoi, moi, il est venu peut-être parler de ça avec mes abonnés pour dire que oui, effectivement, c'est vrai. Ça existe, les photos existent réellement, mais je ne vais jamais mettre sur Internet. Tu ne peux pas mettre, Tilapia, tu n'es qu'une grosse mytho. On a combien de minutes de direct? J'ai même pas encore joué les vidéos. On a 1h15. Ok. Mais aussi prendre ça pour me défendre en clash ou quoi que ce soit parce que je ne suis plus dans les clashs. Et à moi, une idiote, quand je ne suis plus dans les clashs. Quand j'ai pas dit ça pour me défendre dans les clashs parce que je suis plus dans les clashs. Mais tu dis ça pourquoi? C'est pour me menacer? C'est pour que je la ferme en gros? Ce sont des menaces, c'est de l'intimidation que tu veux me faire? Tu as fait l'intimidation à Leslie? Tu as fait l'intimidation à ta patronne? Tu veux me faire de l'intimidation? Tu es malade toi? Tu fais l'intimidation à qui? Qui est ton égal? Donc tu me prenais pour tes petites bordels qui te suivent là? Que quand t'avais craint et on fuit, tu intimides qui? Parce que tu fais cette intimidation. Si tu parles de mon enfant, tu dis les diffamations de mon enfant, si mon enfant, je vais te porter dans les vidéos. Ta mère qu'on va porter plainte, ton bas biais du père de ton enfant, comme il s'est lu des Français. Sa mère qu'on écarté. Sa chienne. Une idiote comme ça. Tu menaces qui là? Tu penses que tu me menaces, mettais? Tu croyais qu'après ta vidéo, j'allais la fermer? Fille de pute, ta mère, la salope que tu sois. Une chienne, une ancienne prisonnière. Pablo Escobar, des prostituées de Maroc. Une fille qui a fait la prison au Maroc pour prostitution et excès de drogue. Hein? Prostitution, botage de clients. Tu as boxé ton client. Hein? Voleuse, braqueuse à main armée. Ah, tu ne t'es pas arrêté là. Stupéfiant. On t'a arrêté avec des kilos de hachis. Je ne suis pas là. Qui ça, chienne? Va me mettre la vidéo là. Si tu aimes ton enfant, ton petit bataille, ses oreilles derrière le lapin.
Si tu l'aimes là, va mettre la vidéo. Va mettre la vidéo. De... Va mettre la vidéo. Si tu aimes ton billet, qui c'est ton samaracolo. Que... Bah, il y a un samaracolo. Ton samaracolo. Que... Hey, c'est Zorro, des souris là. Le petit va me faire pitié. Voilà. Ton. Il n'y a faut pas laisser. Les enfants sont innocents. Petit souris là. Souris là, si tu l'aimes là. Il faut venir. Viens. Souris que tu as mis au monde là. Viens. Si tu l'aimes, viens mettre les vidéos. Je t'en donne. Devant la terre, devant les hommes. Devant TikTok et Facebook. Nous sommes 2-3 000 personnes sur Facebook. 3 000 et quelques personnes sur Facebook. Je t'en donne, Tilapia, à mettre les vidéos pornographiques de moi. Ça, chienne. Tu menaces qui? Tu menaces ta maman, chienne. C'est ça, c'est quand même grave. Parce que ça là, ce que la personne a fait ici pour avoir son baisse, si ça là, ça arrive, là où ça doit arriver là, c'est dangereux pour la personne elle-même. Hein. Vous avez entendu? Elle a commencé à parler de mes papiers, son fils a commencé à pleurer. Écoutez. Réellement, mais je ne vais jamais mettre sur internet. Écoutez. Hein. Je ne vais jamais aussi prendre ça pour me défendre en clash ou quoi que ce soit parce que je ne suis plus dans les clashs. Mais par contre, c'est ça, c'est quand même grave. Parce que ça là, ce que la personne a fait ici pour avoir son baisse, si ça là, ça arrive, là où ça doit arriver là, c'est dangereux pour la personne elle-même. Hein. Vous voyez les menaces? Elle dit, c'est quand même grave parce que quand je fais ma demande d'asile, on me connaît en tant que voilà, personne LGBT, évidemment. Et que si ça arrive, par exemple à l'OFPRA, c'est quand même grave qu'on apprend qu'une femme LGBT soit avec un homme. Pour elle, c'est très grave. Elle peut m'arracher mes papiers. Donc, elle, dans les menaces, elle, dans l'intimidation. Tu parles à qui, même, cette petite pute, là? Tu parles à qui, là? Est-ce que tu sais à qui tu parles, au fait? Est-ce que tu sais au moins à qui tu parles? Est-ce que tu sais à qui tu parles? Donc, pour toi, c'est très grave qu'une femme soit avec un homme et que si tu tombes sur les vidéos réelles, que ce soit vraiment réel, que c'est moi qui suis en train de sucer un mec, si tu prends la vidéo, tu l'envoies à l'OFPRA, ben, c'est grave, on m'arrache mes papiers. Parce que j'ai baisé avec un homme, dans ma propre chatte. Qui t'a dit que c'était interdit? Qui t'a dit que c'était interdit de baiser à qui on veut en France? Qui t'a dit que c'était interdit de faire l'amour avec qui on veut en gros? Que ce soit avec un animal ou avec un humain, qui t'a dit que c'était interdit? Quoi, c'est quand même grave. Tu penses que tu peux m'intimider? Tu penses que tu peux me menacer pendant que tu as un bâton dans ta main? Que si on va en procès, je vais partir en procès. Ça dit qu'on va en procès, toi, ça serait plein d'emplettes. Je vais exiger qu'on fasse tes ADN à ton fils de pute qui t'a enceinté là. Tu menaces qui, au fait? Tu menaces qui? Quoi, c'est quand même grave. C'est quand même grave. Qu'est-ce qui est grave? Idiote, va. Tu menaces qui là? Sa chienne. Tu me menaces? Même si les blancs prennent les carottes des réfugiés, il a trouvé une solution encore. Il n'a jamais fait enfant à un blanc. Tu me connais? On ne peut jamais m'arracher mes papiers. La seule chose qui peut faire m'arracher mes papiers, c'est quand il a déposé bombe en France. Pour le moment, je ne suis pas nuisible pour la France. Hein? Je ne suis pas nuisible pour la France. Idiote. Va faire des recherches. Qu'est-ce qu'il faut pour retirer les papiers à un réfugié? Va faire des recherches, va mettre des méditations pour vociférer comme une idiote patentée là. Sa chienne. On y va. Papier là, t'es doule de... Papier là, la doule plus de 5 ans. À peine. C'est un bon papier, mais ça... En fait, surtout quand tu te dis... Avoir c'est ton baisse. Si ça, ça arrive, là où ça doit arriver, là, c'est dangereux pour la personne elle-même. Hein. Pour lui-même. Pour elle-même, lui-même. Qu'il aime. Et à son fils pleure. C'est dit, wow. Une mère normale. Une mère normale. Ton fils pleure. Il est en train de pleurer. Au lieu de couper le direct, tu es concentré à mentir sur Leslie. Au lieu de t'occuper de ton petit bâtard, tu es concentré à parler, à diffamer sur Leslie. Tu es concentré dans intimider ta camarade femme. Pendant que ton bata pleure, on va écouter son bata pleurer. Hey, je te demande pardon, de moi merci. Mais ça ne baissait pas où il y avait ma bouche. Il pleure, hein? Elle continue. L'enfant pleure, tu continues. Ça, c'est une mère, ça. Mère indigne. Mère indigne. Ah, c'était vrai. Elle est en train de mettre pouf sur sa bouche, hein. Pour qui c'était? L'enfant est étouffé, elle est en train de mettre pouf sur sa bouche. Elle met pouf sur sa bouche. Elle met sa main dans sa bouche pour que l'enfant la ferme, au fait. Mère indigne. C'est chaud. Bref. Ok, bref, toi-même, bref, si c'est injuste. On va aller maintenant dans le vif du sujet. Parce qu'il n'était pas encore dans le vif du sujet. Quand il finit, il me repose. Il est déjà 23h, punaise. À minuit, il doit commencer mes matchs sur TikTok. On va aller pas à pas. Affaire de porno, là. On va écouter une blogueuse ivoirienne.
Oui. Voilà. Donc, je vous ai dit, même affaire de Petou, là, la dernière fois, là, ils avaient fait plan. Quand la vieille était en train de dire qu'elle avait son retour, bien que lui, il a pris son doigt pour le rôle. Est-ce qu'il a réagi? Il n'a pas réagi. Mais malgré qu'il était, elle n'a pas réagi, non? Alors, parce qu'il a guetté. Il a guetté. Sinon, on vous pensez que quelqu'un va venir s'asseoir pour venir voter quelque chose. Et puis, quelqu'un qui a mis un peu, va pas sortir pour venir dire que non, arrêtez de dire ça. Vous êtes sûr? Non? Il a guetté depuis. C'est bon aujourd'hui. Une fois qu'ils sont mis ensemble, même en fait de fouetou, là, quand c'est sorti, là. Moi, il a demandé. Oui, oui. Celui qui a mis. Foulonini. Il lui a demandé. Oui. Il lui a demandé. Il m'a regardé dans mes yeux, comme ça. Pour m'expliquer une histoire rocambolaise digne d'un film d'invention. Il est jeune. Alors, j'étais là à vous dire que cette vidéo date, voilà, de la. Je pense que c'est 6 mois, 7 mois, où ce Camerounais est sorti pour mentir sur moi, comme quoi il y avait une vidéo pornographique de moi. Voilà. Et cette blogueuse, au début, était avec eux, et elle voulait vraiment les preuves. Elle est rentrée en contact, on lui a raconté n'importe quoi. D'accord? On écoute, hein. J'ai oublié ça jusqu'à aujourd'hui. Oui, oui. Il est pas tellement pour savoir, même si c'était elle, son nom. Il m'a raconté une histoire que c'était jamais elle. Elle faisait confiance à quelqu'un d'autre, un autre blogueur, comme quoi le gars faisait les posts, comme quoi c'est, il avait les preuves. Et quand elle demande les preuves, le gars, maintenant, comme lui fait confiance, elle, il lui dit que c'est jamais Leslie, que c'est des montages. Tilapia elle-même a reçu les vidéos et les photos du gars que le gars postait partout, partout, parce qu'il est parti chercher des pornographies d'une fille qui avait. Parce que je dis à tout le monde que je suis. J'ai un piercing sur les clitos, j'ai un piercing sur l'ombride, que souvent vous voyez. Du coup. Il allait chercher des vidéos pornographiques des filles qui avaient des piercings sur l'ombris et sur le clitoris pour venir poster. D'accord? Les filles noires où on ne les voit pas bien, on ne voit pas bien les visages. Et tout le monde disait que c'était faux. Elle-même, Tilapia, elle avait reçu ça il y a 6 mois, 7 mois. Elle disait que c'était faux. Comme aujourd'hui, elle veut me menacer pour ne pas qu'elle parle de son bâtard. Elle vient dire qu'elle a les vidéos. Poste les vidéos. Si tu n'as pas mis les vidéos, si tu aimes ton fils, poste les vidéos. Si tu aimes ton enfant, là, si tu ne l'as pas mis au monde à cause des papiers, là, poste les vidéos. Que c'est une autre femme. Quand il est venu m'asseoir pour dire que c'est jamais elle là, il a fait pour la belle moi. Pour dire que, comme moi je suis venu dire que c'est pas elle là, la fille qu'il a inventé que c'est elle là, son gars est en train de dire qu'il va venir, il a dit, moi-même là, a fait la belle, il a trouvé ma tête, il a dit, attends, il a dit, il a vu sur son compte, il a dit, aïe, mais c'est quel way? C'est quel way? Pour lui dire, enlève ton pied dedans. Et tout cela, il a guette. Oui, oui. Moi, il n'aime pas qu'on poignarde dans le dos des gens. Moi, je ne suis pas comme ça. Il a guette, il faut qu'elle sache. Merci ma chérie. Oui, il a guette. Cette vidéo restera à vie dans mon téléphone. Ok. Ça fait un. Mon nom a déjà été lavé pour cette histoire de pornographie. Ça n'a jamais été vrai. Ça fait un. Maintenant, on va aller passer. Il y a 2 heures de live. On est déjà 1h24 de live. On a encore 30 minutes de live à faire. Voilà. J'ai décidé de ne pas faire la paix à certaines personnes parce que j'ai décidé de rester dans mon coin. Et pour ça, ça énerve beaucoup. On va écouter une vidéo. Vous vous rappelez à l'époque, il y a 2 ans en arrière, où je me clashais avec Bob Lee. Tilapia, la fille de Janju, elle aime Janju et Pablo Escobar de Janju, est allée voir Bob Lee pour dire que, père à son âme, pour dire que, elle connaît une femme qui me connaît au Mali. C'est pas sa première fois de mentir, hein. Il y a les preuves, je vais les mettre. Pour dire que la dame veut témoigner. Parce qu'à l'époque, Bob Lee et moi, on était en frère clash. Et que la femme veut témoigner qu'elle me connaît au Mali et que moi et elle, on faisait, on allait au Burkina faire, comment on appelle ça? Pour aller faire maraboutage, on allait au Bénin qu'elle connaît mon marabout. Donc elle et Bob lui ont fait conversation et Bob lui l'a enregistré. Pour venir jouer. Ce jour-là, Bob lui a fait 7000 personnes. On va écouter une petite partie. Ça, et bien ils avaient la vitesse. Attendez. Attendez, vous allez écouter le nom de la personne. Oui, je m'appelle Sarah Diarra. Elle dit, elle s'appelle Sarah Diarra. On commence le live, hein. C'est maintenant le live commence. La fille dit, s'appelle Sarah Diarra. Regardez bien. Ceux qui ne sont pas abonnés à Tilapia, vous n'avez pas besoin de vous abonner. Son TikTok, elle est en live. Il y a une fille qui s'appelle Sarah Mandé. Ils ont la même voix. C'est qu'ils sont en train de jouer là. Capturer. Et à partir d'aujourd'hui, dans chaque live, elle va monter. Peut-être qu'elle va changer sa voix, hein. Mais capturer. Vous allez écouter. C'est Sarah Mandé d'aujourd'hui qui s'appelle Sarah Diarra. Qui appelle Bob Lee pour dire qu'elle me connaissait depuis Bamako. Moi, j'étais sa copine et tout. Que moi, j'allais faire maraboutage à elle. Ce jour-là, Bob Lee avait 7000 personnes. Je ne sais pas si vous vous rappelez.
Tu l'as pu appeler pour dire, elle a même fait dire pour prendre la défense de Bob Lee. Et ce jour-là, elle a monté un coup. Du coup, pour faire coup là, elle s'est dit dans le coup là, elle a nagué Bob Lee 200 euros parce qu'à un moment du témoignage, il fallait que le témoignage apparaît vrai. Et Bob Lee pensait que c'était vrai. Donc, il a pu dire à Bob Lee que la fille est au Burkina. Et il fallait que Bob Lee envoie transport pour que la fille aille au Bénin voir mon marabout pour le filmer, pour l'enregistrer, pour envoyer à Bob Lee aux États-Unis. Parce que Bob Lee voulait casser les papos. Pas ici, aller loin avec lui. Il a mis ma mère, il a mis ma fille. Moi, il a mis mon père. Il a mis mes petits frères. Moi, j'ai mis. Je suis allé chercher une photo de sa mère. Il a pété un cap. Donc, il a pu dire que, hé, hey, après le témoignage de la fille là, c'est là que j'ai mis la mère de Bob Lee. Donc, du coup, il a pu en question dire à Bob Lee que la fille va aller au Togo. Donc, Bob Lee dit, mais la fille là, où sont les preuves plus? Il a pu dire à Bob Lee que la fille va aller au Togo, elle est au Burkina, elle va aller au Bénin chez mon marabout. Que mes faux transports, parce qu'elle est au funérailles et tout et tout. Elle est au Burkina, elle n'a rien. Donc, Bob Lee envoie 200. Il envoie les 200 dollars au Burkina. Parce que la fille Sarah Mandé, elle habite au Maroc. Donc, c'est comme ça Bob Lee envoie 200 dollars à Tilapia en France. Tilapia envoie 100 dollars. 100 euros à la fille étant au Maroc, ça fait 1000 dollars. Ça fait 1000 dirhams. Là, elle a menti. Et Bob Lee a démenti en live. Les vidéos arrivent. Je vais tout jouer. D'accord? Donc, du coup, elle a menti. Elle a pris son abonné pour aller me salir. Comme quoi, je faisais la prostitution avant et que je suis allé faire les maraboutages, les marabouts au Bénin et que c'est ma copine qui est venue, comment on appelle ça, parler en direct, venue témoigner. Le même Bob Lee, je te dis merci que Dieu t'accorde dans son paradis parce que tu as lavé mon nom avant de partir. Le même Bob Lee a démenti ici pour dire que tu es une grosse menteuse. Que laisse, tu es venu envoyer une de tes abonnés pour venir dire que Leslie partait faire maraboutage au Bénin, que elle a, tu as les preuves qu'elle était prostituée. Attendez, TikTok ne demande pas. Non, non, laisse. Hein? Attendez, ça c'est pas bien rentré. Non, c'est un truc là. Voilà. Pour dire que comme quoi, Leslie, je connais son marabout. On va écouter ici Bob Lee. La fille est venue se présenter. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Mon TikTok a débloqué là. Ils m'ont mis un truc là, il est mis déjà. Voilà, c'est bon. On va écouter cette fille en question. C'est une abonnée de Tilapia. Et quand la fille est venue parler, elle est venue se présenter comme une femme qui me connaît. J'ai juré ici tous les plans que je ne connaissais pas la fille. Et Dieu merci, Bob lui a parlé avant de mourir. Je connais les... On va écouter. Je m'appelle Sarah Diarra. Je connais les choses à Bamako. Dans une nuit, dans une boîte de nuit de la place, au Biblos. Le Biblos. Qui ne connaît pas Bamako? Si la personne à Bamako connaît le nom des boîtes de nuit. Donc Sarah Diarra, qui est Sarah Mandé. Quand il avait fait des directs, elle fille s'appelle Sarah Mandé. Quand elle est là, vous me suivez, c'est elle qui parle beaucoup. Sarah Diarra, c'est Sarah Mandé. Prenez la voix là. Et puis capturez, vous allez enregistrer, vous allez écouter. C'est la même personne. Et avant que Bob Lee ne meure, il était encore chez Tilapia. Il a dit, Tilapia, la fille que tu m'envoyais n'était jamais une amie de Leslie. C'était ton abonné. Tu m'as arnaqué 200 dollars. Bob Lee était son ami, mais elle a pris 200 dollars, Bob Lee, pour donner à Sarah Diarra, que Sarah Mandé, pour pouvoir venir mentir sur moi. Donc l'argent a divisé en deux. Bob Lee a tout cassé les papas avant de mourir. Tilapia, tu es une maudite. Tout ce que tu as dit sur moi sera jamais vrai. Parce que tu n'as rien sur moi. En gros. Je m'arrête là parce qu'elle a dit son nom. Maintenant, on va aller sur d'autres vidéos. Il y a des filles. Attendez. On va écouter une autre vidéo de Bob Lee. Ça, ce sont les personnes honnêtes qui font ça. Mais quand tu es dans flancon, quand tu es voleuse et que quand tu joues avec l'esprit des gens, dans tout bagage que toi tu avais. L'étiquette de voleuse là, c'est sur toi. L'étiquette de naqueuse, c'est sur toi. L'étiquette de prostituée sur le net, c'est sur toi. Tu ne peux jamais le mettre sur moi. D'accord? Tu ne peux jamais le mettre sur moi en gros. On y va. Tu dis que non, que c'est tout de Mati Dola à son mec qu'ils ont volé. Et parce que tu sais. Mati Dola a donné des gaines pour vendre. Elle a pris les gaines, elle a tout vendu. Elle a bouffé l'argent. Elle avait croire à Mati Dola que quand elle déménageait, les barrages étaient dehors. Qu'ils ont pris sac de gaines pour fuir ça. Mais elle met ses barrages, ils l'ont laissé. On y va. Eh bien, qu'en lui disant, elle allait dire non, c'est bon, faut laisser. Quelle voleuse. Et tu le sais très bien. Parce que même quelqu'un t'a déjà donné. Mettez les pouces bleus, mettez les cœurs. Je ne vois plus les pouces bleus, je ne vois plus les cœurs. Je ne vois plus les pouces bleus, je ne vois plus les cœurs sur Facebook. Vous êtes 3000 personnes. Mettez les pouces bleus, mettez les cœurs. Mais que vraiment, t'as voulu. Donc, ce n'est pas nous seulement de l'honneur. Ton honneur. Dit que moi je vais rembourser. Tu as dit les gens sont mendiants. Mati Dola t'a nourri ici en France.
Elle t'a envoyé ses gaines pour vendre. Tu as tout volé. Tu as vendu Jamaël là. Tu as fait quoi la moitié de dollars qu'ils ont volé les marchandises. Une grande voleuse, Tilapia. Tu as volé Bob Lee. Père à son âme. Il y a 200 euros de cadavres dans ton ventre. Prends-la là-bas, donne à sa femme et ses enfants. Bob Lee, tu l'avais cru que c'est une de mes copines qui venait témoigner. Tu allais prendre Sarah Mandé, qui est Sarah Diara dans le direct de Bob Lee, pour venir mentir sur moi. Pour dire que je suis allé faire maraboutage au Bénin. Si moi j'allais faire maraboutage, t'as dit qu'il ne parle pas français pour aller. Si moi j'allais faire Zamoué, il fait Zamoué camarade. Il avait Zamoué camarade. Hein? Tu allais mentir sur moi chez Bob Lee. La fille venait faire faux témoignage devant 7000 personnes. Jusqu'aujourd'hui, il t'a dit donne le nom de la personne. Tu n'as jamais donné le nom de la personne parce que c'est ton abonné. Sarah Diara qui est Sarah Mandé. Ce mensonge qui t'a menti sur moi là, ça te poursuit à vie. Et ça va agir sur ton enfant, sur ta progéniture. Mais tu es une grosse menteuse. Tu es une arnaqueuse, tu es une voleuse. Tu as volé Mati Dola again. Depuis de marchandises de 5, 15 000, 10 000 dollars. Mati Dola, tu as volé caution de maison pour payer ta maison. Où tu étais là? Où tu étais sous location, tu as payé caution de maison. Mati Dola qui t'a volé là. Mais tu as pas pitié de Mati Dola. Où tu es là aujourd'hui? Avant c'était maman Mati. Maman Mati, maman Mati, tu l'as mis où? Voleuse, elle t'a déployé, tu as volé sa marchandise. Bob Lee qui est ton ami. Tu as envoyé témoin. Si le témoin est venu de son propre cœur pour me dénoncer, pour dire des choses que j'ai fait dans mon passé là, je te jure, il ne va pas prendre que 5 francs. D'accord? Mais c'était ton abonné, tu l'as dit, viens mentir, on gagne l'argent. Quand Bob Lee a dit, allez-y filmer mon marabout, tu as dit à Bob Lee que vous n'avez pas dit filmer mon marabout au Bénin. C'est dans ça que Bob Lee t'a demandé. Tu as dit à Bob Lee, la fille est où? Bob Lee t'a dit que, Bob Lee t'a dit la fille, tu dis la fille au Burkina. Quand Bob Lee t'a envoyé 200 dollars là, il dit, mais où sont les preuves? Tu dis, la fille sont au Bénin. Après, tu as dit à Bob Lee que la fille là, elle est au Burkina, elle est au funérailles. Qui après a parti, tu as fait tourner Bob Lee, on est parti en clash. Vous êtes parti en clash. Après, Bob Lee est venu casser les papos. Pour dire la fille, Bob Lee s'est renseigné, il a vu que c'était une de tes abonnées. Tu n'es qu'une grosse menteuse. Il n'y a rien tu peux dire sur moi qui apprend. Ça ne chauffe pas. Si tu ne mens pas, je suis ton enfant. Je suis sur la tombe de ta mère. Je suis la tombe de ta pute de mec. Les vidéos que tu as là, que c'est les vidéos de l'esprit. Tu n'as aucune vidéo de moi nu. Tu n'as aucune photo de moi nu. Si tu as ça, poste-les, je te le donne. Petite pute, petite menteuse, petite droguée. Fille de pute, accoucheuse de bâtard. On y va. Moi, je vais rembourser ça quand même. Non, ça, c'est facile. Là. Tu viens de me donner 3 000 euros, je ne peux pas. Non, ça, il y a rembourser ça. Ça, c'est comme ça, les personnes honnêtes agissent. Tu es une voleuse. Merci. Ça fait 1. 2, tu es une voleuse parce que moi-même, tu m'as arnaqué encore sur 200 euros. Tu m'as volé 200 euros. La fille-là, tu n'as rien demandé. Tu as dit à la fille, il faut lui dire que non, il y a l'argent actuel chez elle. Et puis, moi, je t'ai donné un peu, elle prend pour moi. Hein. Tu es une voleuse. Merci Bob Lee, père à ton âme frère. Tu es une voleuse. Pour que ton abonné vienne mentir sur mon direct. Parce que tu voulais aider Bob Lee dans le clash. Elle est venue raconter des salades. Venue faire des témoignages. Le jour que vous voyez quelqu'un en train de faire témoigner dans le direct de Tilapia, c'est un faux témoignage. La plupart de ses abonnés sont en Afrique. Ou bien sont au Maroc, mais dans les pays bizarres. Donc elle les envoie 50 euros, ça fait 500 dirhams. 50 euros fait 500 dirhams. 100 euros fait 1000 dirhams. C'est ça, non, bébé? Donc, du coup, c'est beaucoup d'argent là-bas. Donc, elle, là, elle mentit les gens. Tu ne peux. Il dit, on ne salit pas ce qui est propre. Tu as entendu? Maintenant, j'attends. Ta mère con, la mère con de ton père, la mère con de ta grand-mère, la mère con du père de ton enfant, toi-même, ta mère con, la mère con de ton bâtard, ton fils, c'est un bâtard, elle se zéro d'un lapin. Il faut maintenant poster la vidéo. Tu voulais me menacer que si tu parles de mon fils. Ça ne va pas apporter plainte. J'ai envoyé les vidéos à qui de droit. Ta mère con. Appelle-les. Offre-là. Ils ont les mails. Tu envoies une vidéo de laisser 5 étoiles. Ils vont voir mon visage. Ils vont envoyer un. Comment on appelle les gens, les enquêteurs là, pour vérifier vraiment les gens qui étiquettent les vidéos pour voir si c'est les vidéos authentiques là. Ils vont vérifier si c'est moi qui sentais Mougoué garçon. Et ils vont te répondre. Si Mougoué garçon, en tant que femme, si c'est injuste ou bien si c'est contre la loi ici en Europe, ça chienne. Tu parles à qui? Tu parles à qui? Même aujourd'hui, j'ai envie de mougou à un homme qui me plaît, je mougou à lui. On t'a pas dit ça? Si demain, j'ai envie de mougou. J'ai pas quelqu'un qui me plaît, j'ai envie de mougou, j'écarte et puis je baise, c'est mon con. C'est pas tout babou qui. C'est pas eux qui paient mon prêt tout. Eux-mêmes ne peuvent pas m'empêcher parce qu'eux-mêmes ils te disent que ta sexualité ne nous intéresse pas. C'est ton histoire qui nous intéresse. Quand les gens à l'offre là-bas te donnent titre de séjour et quand ils te donnent la protection subsidiaire ou même la protection internationale là, c'est pas ta sexualité qui les intéresse. Oui, ta sexualité, oui. Mais ce n'est pas ta sexualité qui les intéresse. C'est ton histoire. Hein? C'est ton histoire qui intéresse l'OFPRA. Et puis, tu donnes la protection. Quand ils te donnent 10 ans, là, c'est qu'ils ont cru en ton histoire. Donc, que tu fasses l'amour avec les hommes
où les femmes, ça ne les intéresse pas. Voilà. Parce que dans LGBT, il y a ce qu'on appelle le B. Et le B, c'est la bisexualité. Donc, quelqu'un qui est bi peut sortir avec des femmes comme des hommes. Ce n'est pas interdit. Donc, va te plaindre, tu viens voir les photos de Leslie où elle est en train de sucer des grosses bites, où elle est en train de sucer des chiens, où elle est en train de sucer des chevaux. Ça ne change en rien ma vie. Ça ne change en rien mon statut. Petite lettre, vidéo, ton papa qui est dans ta main. Ses oreilles, tu mets fond de tête sur l'enfant là, il souffre comme ça, il pousse dans ses narines. Tu mets fond de tête, filtre de snap. Un enfant, tu mets filtre sur lui, tu sais quoi? Confie au milieu son gino, hein? C'est danseur les palis pour pas avoir, on sait pas. Oreille, on est filtre là, tu parles de quoi? Elle a créé une stratégie. Est-ce qu'on a fait les 2 heures de live? Non, 1h37. Hein? Elle a créé une stratégie pour aller faire amitié avec tous les petits panels de TikTok pour chercher amitié. Ils vont dire, hé Leslie, tu as incité l'enfant de tilapia. Hé, hey, tu es mauvaise. Hé, hey, Chalie, elle veut se jouer les pitiés. Maman, je viens m'appeler, m'a donné le conseil de Leslie, n'insulte pas son avis. Maman, il pense que son enfant, bata, c'est pas enfant. C'est pas un juge. D'accord? Voilà. Tu cherches, tu veux te faire pitié. Parce que tu as insulté mon enfant il y a 2-3 ans et beaucoup de personnes n'ont pas vu. Donc, du coup, tu veux que j'insulte ton enfant copieusement. C'est de insulter. Quand une ancienne lesbienne, quand tu dis, moi, je suis une lesbienne, que j'ai donné toute quelle éducation à ma fille, que si ma fille vient en France. Elle va appeler, elle va nous appeler, on va nous appeler maman, maman. Mais toi, une ancienne lélé, quand tu fais enfant, ton enfant sera ancien quoi? Ça sera un président ou bien ça sera un oubli. Il faut nous expliquer. Parce que tu as les gènes de lesbianisme dans ton sang. Donc ton enfant serait quoi? Parce qu'il est sur ton ventre. Hein? N'importe quoi. Tu parles à qui même? Tu parles à qui? Tu parles à qui? Tu parles à qui, Zaradou? Tu peux me faire peur? Tu penses que tu peux m'effrayer? Tu penses que tu peux m'intimider? Tu penses que tu peux fermer ma gueule? Tu ne peux rien créer. Quand je comprends pourquoi les gars, le gars a parlé de sa vidéo, il a eu peur. Quand tu me réveilles, c'est magnifique, il a peur. Il dit ta mère qu'on décomposait, ta mère qu'on asticot, ta mère qu'on plagiat, ta mère qu'on s'enveloppe, ta mère qu'on atterrit d'avion et puis ta mère qu'on hélicoptère. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Tu me menaces? Tu es malade? Tu sais à qui tu parles? Regarde mes yeux. Je ne me drogue pas. Je ne suis pas une droguée comme toi. Je ne suis pas une junkie. Je suis hier, mais tu parles. Imbécile, voilà ma bouteille d'eau. Tu as entendu? Idiote. Va porter plainte, maintenant, il t'attend. Va porter plainte, Kirikou. Va porter plainte. Plainte, chienne. Bon. Je m'arrête là. Je suis fatigué, pas trop. Je dois aller faire mes matchs sur TikTok. Mondial. Ceux qui n'ont pas pu enregistrer sur TikTok, venez sur Facebook, vous allez couper les parties qui vous arrangent. Vous allez partager. Je t'ordonne à partager les vidéos que tu as de moi. Je n'aime pas les menaces. Si c'était vrai, j'allais la fermer. Voilà. Si c'était vrai que tu avais la nudité de moi, j'allais la fermer. Et même si elle a la nudité de moi, je m'en bats les couilles. Parce que même si je la fermais, j'allais me faire du chantage à vie. Je n'aime pas les chantages. Tu as les vidéos de moi où je fais l'amour, tu as les photos de moi nu, tu les postes. Où j'étais en France et puis elle est postée. En Afrique, oui, quand on était en Afrique, on avait peut-être des relations.